Salut à tous, c'est Aurélien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2 et aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo réglage pro de la Audi R8. Alors pourquoi la Audi R8? Parce que c'est tout simplement l'une des meilleures street races actuelles et je m'étais rendu compte que je ne l'avais même pas fait en vidéo réglage pro, donc aujourd'hui je vous la propose. Du coup voilà, je vous mets le réglage comme d'habitude, vous mettez pause pour le reprendre. Donc on enchaîne avec une petite course strip sud et strip sud, vous allez voir qu'elle se débrouille très bien. Alors dans la globalité en fait l'Audi R8 est une excellente voiture partout, très très bonne maniabilité, très bonne accélération, très bonne vitesse max, freinage plutôt bon. Bref, c'est une voiture qui n'a pas vraiment de défaut. Autrement dit, c'est une excellente voiture et on a aussi une très très bonne VMAX. Donc au final, c'est une très bonne voiture pour concurrencer ce qui va être Gallardo, Huracan, etc. Enfin bref, des très bonnes voitures sur à peu près tous les circuits. On peut faire des bons chronos avec l'Audi R8. Personnellement, j'aime beaucoup l'Audi R8 en plus esthétiquement. Il y a beaucoup de custom et en plus de ça, j'ai fait mon record strip sud avec elle sans trop de problèmes. Donc vraiment, voilà, c'est une voiture que je vous recommande. Ça permet un petit peu de changer de la Gallardo parce que c'est vrai que c'est quand même très très chiant d'avoir tout le temps la Gallardo. Donc si je peux vous conseiller une voiture pour remplacer la Gallardo, prenez la R8, c'est parfait, ça se pilote très facilement comme la Gallardo et vous faites des bons chronos facilement sans trop de problèmes. Donc voilà, pas vraiment de défaut, la voiture peut peut-être un petit peu glisser de l'arrière de temps en temps, mais franchement c'est assez rare et c'est vraiment si on y va comme un porc en passant des trottoirs par exemple. Donc dans la globalité voilà, ça sera parfait avec ce petit réglage. Bien sûr, si vous pensez avoir un meilleur réglage, n'hésitez pas à le dire, à le faire savoir et puis je pourrai tester ça aussi comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà, je suis pas un grand tryhard, donc les chronos sont pas parfaits, que ce soit dans la vidéo ou quoi, mais une 31, voilà, c'est déjà pas mal par rapport à comment je conduis et quelle route je prends, parce qu'évidemment je prends pas les raccourcis, etc. sur strip sud, je fais pas le truc du checkpoint, mais voilà, vous pouvez voir une 30554, 97e mondial avec la R8. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao.